Ok. Salutations à tout le monde et à tous, que Dieu vous bénisse, un ensemble fouetté. Voilà, vous connaissez. C'est Thierizo, ça chauffe pas. Hein. C'est Ouya, si fait qu'il y a Ouya. Sans Ouya, s'il n'y a pas Ouya, Didi Capo. Salutations à tous les guerriers du Côte d'Ivoire et de la diaspora fouetté. C'est Thierizo, vous connaissez que ça chauffe pas. Salutations à la mère Esther, salutations à Diamant Noir, salutations à Koukao. Salutations à mon fils Didi Capo Kareo Biang, salutations à mon gourou WhatsApp. Salutations à mon virou de Bayo Tazas Côte d'Ivoire. Salutations aux deux Ofa Fabika. Salutations au capitaine des guerriers de Côte d'Ivoire, Zarapaon. Salutations à mon vieux loup depuis les États-Unis, le vieux Père Patrice. Et salutations à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Merci de partager cette vidéo. Merci de continuer à vous abonner sur ma page. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Fouité, c'est Thierry Zo. À TC Carbon. Ouais. Cette vidéo, je la fais pour parler un peu à Debordo. Parler à Ariel Chiné. Et parler à Eritor. Donner quelques petits conseils à mon fils Eritor. Ouais, sans ça chauffe pas. Ouais. Ok. Bah tu vois non, le coupé décalé est en train de rentrer dans une manière de mouvement, un mouvement qui est un peu trop bizarre. Un moment qui est trop bizarre, un moment qui est foutaise. Quand Arafat dit que lui, il n'est pas de ce monde-là. Il a dit que cette planète-là, lui, il a dépassé ça. Ouais, dans la réflexion-là, il a dépassé ça. Là. C'est maintenant qu'il voit ça. C'est maintenant qu'il comprend qu'Arafat, vraiment, il a dépassé. Il a dépassé notre époque même. Son boriman, c'est trop dégâts. Dit, son boriman, c'est trop dégâts. Parce que quand il parlait que non, Chéné, c'était bizarre. Chéné était bizarre. Chéné est coin. Chéné. Il prêtait le mot même Judas et tout ça là. Nous on comprenait pas ça. Hein. On était dedans et puis on écoutait le mouvement. Il n'y a pas de drap. On fracassait le mouvement. Ouais, Chéné, c'est le numéro 1, c'est le numéro 1. Moi je suis d'accord avec ça. Actuellement, c'est lui qui fait le buzz. C'est lui qui a le. Tu fais le buzz, ouais. Mais je suis plus d'accord dans le mouvement numéro 1 de couper des calais. Didi, je suis plus d'accord dedans. Faut y ça là même, il me dédie, ouais. Je suis plus d'accord avec ça. Bah, il bat science que moi, il réfléchit dans le concon d'Arafat là. Il réfléchit dans la gamme d'Arafat même là. Et puis il voit que il fallait qu'il y a le foutaise. Mes frères chinois, tu as les donnes même. Ouais, tu dis, moi, tu dis ça. Ça chauffe même pas, tu dis. Voilà, tu veux parler à mon boss, il va me parler de ça. Mais moi, là, il dit ce qui est dans mon cœur. Ouais, tu dis, mes frères, tu as les foutaises. Quand tu connais que toi, tu es ça chauffe pas. C'est Alléluia. Et puis, c'est famille. Mais là, quand quelque chose n'est pas bon, là, moi, je te dis que mes frères, dans ta gamme où tu es là, ce n'est pas doux. C'est méchanceté même. C'est babier science même. Ouais, fouetté. Ouais, ça chauffe pas. Guéri, toi, tu allais te coller à Arafat. Tu allais te coller à Arafat. Tu as appris tout. Arafat t'a montré son mouvement. Il t'a montré le coupé décalé. Comment il bat bien dans le coupé décalé. Comment il framponne les sons, les caisses claires et tout. Il t'a montré tout ça là. Il t'a montré comment il fait sa promo et puis le mouvement prend. Il t'a montré comment il fait ses bachili et puis son mouvement prend. Mais dis, il allait avec cœur blanc. Arafat allait avec cœur blanc et toi. T'as compris? Toi, tu le remercies comment? Tu le remercies comment? Les piques, il dit que tu lui amènes les piques. Les piques là sont Didi. Les piques là sont Didi. Seuls qui ne comprennent pas vont pas comprendre ce qui est dit. Bah, les pics là sont Didi. Tu es dans quelle science? Hein, Chéné? Toi, tu es dans quelle science? Toi, tu mets dans ton mouvement pour dire non, que l'artiste que toi, tu aimes encore du voici. L'artiste que toi, tu aimes, que tu veux ressembler là, c'est Debordo. Foutaise de ça. Bord de ça. Coup de poing même dans ta gorge pour ça. C'est foutaise quand tu es mort. Toi, aujourd'hui, toi, tu sais que c'est lui qui est ton mentor. C'est lui que toi tu veux. Mais pourquoi tu n'es pas allé apprendre chez lui? Pourquoi tu n'es pas allé voir Debordo et puis Debordo va t'apprendre ce qui il connaît? Pourquoi tu n'es pas allé voir Debordo? Debordo va t'apprendre. Tu allais te mettre à côté d'Arafat pour avoir la Yorogang à ta main. La Yorogang à ta main. Aujourd'hui, là, les fans d'Arafat sont divisés à cause de toi. La Yorogang est divisée à cause de toi. Il y a une partie qui te soutient, il y a une partie qui te soutient à Arafat. Mais tout ça, ils vont comprendre à travers cette vidéo. Partagez ma vidéo là. Hein. Partagez ma vidéo là. Ils vont comprendre à travers cette vidéo là. Voilà, que tu es venu ramper en serpent. Pour récupérer les fans d'Arafat, récupérer le mouvement d'Arafat, récupérer la connaissance d'Arafat pour t'asseoir dessus. Aujourd'hui, c'est pour qui tu vas aller prendre? C'est chez Debordo que tu vas aller maintenant. Pour récupérer la famille Debordo King. Hein? Que c'est Debordo qui est ton frère. Et puis Debordo aussi lui-même, il a dit. C'est-à-dire que toi, tu te dis nous si, tu te dis scoupat. Elle est de science même. Elle est toi-même de science. C'est-à-dire quand tu regardes là-même, là, toi et Arafat, il y a plein de confidentialités. Il y a plein de mouvements que toi, Arafat, vous avez fait. Que aujourd'hui, là, vous êtes réconciliés. Et même des jours, là, vous êtes venus ensemble. Hein? Vous avez essayé de faire le mouvement ensemble. Quand tu as venu te mettre sur la toile pour démigrer Arafat pour lui dire ouais c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi.
Par exemple, là, tu as dit que tu es son, par exemple, là, dit que toi, c'est son fan ou quoi. Quand tu as venu te mettre sur la toile pour parler à Arafat, quoi. J'espère que tu, est-ce que tu réfléchis même. La manière que tu dis que ton bras gauche, là, ça type sur lui, là. C'est quoi, nous tous, on est pas bien même. Voilà, on n'est pas bien quand fouteille quand demain matin. Voilà, il était 10 ans, Didi, ouais. Voilà, il était 10 ans, Didi même. C'est foutaise même, c'est foutaise. C'est foutaise. Aujourd'hui, je suis en train de te mettre les bizarres dans la tête. Toi, tu as sorti pour parler de n'importe quoi, Arafat. Ouais, Arafat n'est qu'à accepter certaines choses. Arafat, c'est lui qui a monté le fameux du coupé décalé ou le coupé décalé arrivé quand elle est là. Les prix qu'Arafat a gagné, vous avez gagné ça. Vous pouvez gagner ça. Battez-vous pour gagner ça. Quand quelqu'un va se lever pour dire, et puis nous là, on a dit que Chine est numéro 1, Chine veut faire le buzz. Le petit, il écoute ça. Il a écouté ça, il allait travailler, il est en train de faire sortir le moto que vous allez danser demain. Que tout le monde va télécharger, tout le monde va écouter. Toi, tu as arrêté de mettre dans ton coin pour dire que toi, tu as écouté le moto, c'est pas toi, tu as écouté ça où? Faut rester ce son, le son va finir, tu as écouté. Toi-même, tu fais sortir son combien de temps? Combien de temps avant de venir faire sortir son? Hein? Toi, tu as te mettre dans ton mouvement, tu as appelé petit, Eritor, pour le menacer. Eritor, tu as dit la vérité? Toi, tu penses que toi, tu as vu que tu gagnes ce truc-là, c'est à cause de qui tu gagnes tes vues là? C'est tes youtubeurs là. La famille de Bordeaux Kinna, eux, ils sont prêts pour toi. Ils sont prêts pour toi. C'est pour moi, Eritor aussi, là. Lui, il se laisse pour toi. Si les réseaux sociaux, là, lui, il se laisse pour toi. Ça dépend si moi, Thierry, il te regarde depuis, tu fais tes façonneries, là, tes ménagements dans la bizarrité, et puis moi, il ne te répond pas depuis là. Tu vois, c'est à cause de qui? C'est à cause de la famille de Bordeaux Kin. Et puis, c'est à cause d'Eritor que moi, Thierry, moi, il te répond pas, et puis il te regarde content de voir que toi, t'es arrivé. Toi, t'es arrivé, que tout le monde te regarde, et puis toi, t'as dit n'importe quoi à ton frère sans Arafat. Moi, il n'aime pas l'injustice, hein, Didi. Il n'aime pas la minorité, même. Jamais. Ça peut même pas prendre un mot. C'est foutage quand il y a un matin. Tant que moi, faut me menacer. Oui, mais là, c'est, il est arrivé chez toi en piste. Tu as sorti, tes mains, bon. Ton pistolet là, si tu as tiré là, que c'est rentré là, il faut dire Dieu merci. Mais quand ça a tiré là, quand ça ne rentre pas aussi, l'esprit là nous chauffe. L'esprit là nous chauffe à faire des choses, on peut vous blesser. Voilà, le voyage, le zazen, le déboîtement, tout ça là, tu as ressenti ça. Et puis ton entourage va ressentir le zazen, ça n'a même pas duré. Non! Tu as dit pas un quoi. Tant que tu sais sur quoi tu as assis et puis tu parles quoi. Moi, d'abord, la grande base, même où je suis assis, et puis, vous dites, mais c'est Dieu d'abord. Parce que c'est que Dieu, il m'aime. Et puis, il me montre ça à n'importe quel moment. Maintenant, derrière Dieu, là, la nuit, c'est pas bon. Dans ton sommeil, c'est pas bon. C'est pas bon, Yoromani. Donc, là, sachez qui attaquer, et puis sachez qui menacer. Laissez-moi mon petit Eritor tranquille. Là, tu as les foutaises ou bien quoi. Toi, tu as te lever pour menacer Eritor. Toi, tu peux faire quoi, Eritor? C'est-à-dire que même. Tous les gays du monde entier, tous les gays de la diaspora là. Si moi je lançais mot d'ordre, toi de Bordeaux, tu n'es pas sorti de chez toi. Toi tu as menacé Eritor par rapport à quoi? C'est la première et la dernière fois. Eritor, tu parles de lui, pignon, il te mise, tu parles de lui. Voilà, il te mise, tu parles de lui. Et puis, il n'a pas de menacer, il n'a pas de menacer. Il n'a qu'à essayer de te remenacer encore, il va voir. Il prend ça, il est chargé ça pour faire pour moi. Toi un lèche-botte comme ça. C'est à quoi de tes petits là, moi il te regarde. Hein? C'est qui est dans mon cœur, mais on finit par parler ça. T'en prie. Ok. Les mélomanes, les fans du coupé décalé, les fans de la bonne musique ivoirienne, ouais, Arafat va faire sortir le moto tout à l'heure. Ouais, je vous invite tous à aller regarder, à aller télécharger le son, à aller écouter le son et faites votre démo et envoyez-le. C'est la musique ivoirienne qui gagne. C'est la musique ivoirienne qui gagne. Dans le mouvement où ils sont en train de se mettre là, ne vous mettez pas dedans. Ouais, chérie, je ne suis pas d'accord avec toi demain, je ne suis pas d'accord avec toi aujourd'hui. Anno Jaguar, il est où? Anno Jaguar, il est où? Vous devez poser la question. Hein. Anno Jaguar, il est où aujourd'hui là? Anno Jaguar, il est où? Papa, il est arrivé un peu, frère. Papa, il est arrivé. Papa, il est arrivé. Papa, il est arrivé. Papa, il est arrivé. Dans quoi tu es dedans là, tu vas voir. Ok, on laisse ça. Bon, tous les gays du monde entier, la diaspora, ouais, vous connaissez que c'est Thierry Zo, ça ne chauffe pas. Ouais, sans voyage, c'est pas voyage. C'est que vous avez miché, le clip a trop duré. En battant le clip deux jours là. Et on va tourner un peu dans tous les couloirs pour battre le clip. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Faut y tenir.